Merci d'être avec nous. Je te propose qu'on fasse une petite balade pendant que tu nous expliques ce que tu fais. Oui. Alors écoute, moi c'est en fait la première année que je fais ça. Ça fait une année que je fais beaucoup de photos, de rue essentiellement et des portraits. Et j'avais vraiment envie cette année de faire des photos au paléo. Parce que pour moi, bah, ça a du sens, des portraits des gens. Et vraiment mettre en lumière les festivaliers. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses qui se font par rapport aux artistes sur scène et des choses comme ça. Et là, j'avais vraiment envie de mettre en avant les gens, en fait, de tous les jours. Et voilà, c'est ça le concept. Donc du coup, comme vous avez pu voir, j'approche les gens. Ça va assez vite, pardon, je te coupe. Parce que tu étais là dans la foule et tout à coup, tu repères et tac, c'est parti. C'est quoi l'élément déclencheur, justement? Je vais vraiment au feeling, donc du coup, salut. Tu vois, c'est comme ça en fait, voilà. Au feeling exactement. Et ce jeune homme, par exemple, je pourrais le prendre. Il aurait la gueule pour être en photo. Il a un truc pas mal en fait, truc assez intéressant, ouais, exactement, avec ses lunettes et tout, un style. Ouais. Donc en fait, voilà, je cherche quelque chose d'original chez les gens, mais c'est un truc qui me parle ou qui me parle pas, et des gens que je peux approcher. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de. Il n'y a rien de calculé là-dedans, hein. C'est très naturel. C'est vraiment toi que j'ai envie de prendre. Parfait. Encore une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a la peur d'aller vers les gens où on n'ose pas aller ? Écoute, ça j'ai pas vraiment, mais ça m'arrive comme je dis. Il y a des situations où en fait j'ai vachement envie d'y aller et il y a un petit truc qui me freine. C'est quoi ce petit truc ? J'arrive pas à expliquer. De nouveau, c'est quelque chose de. Mais voilà, c'est. Mais en fait, des fois j'ai tort parce que j'ai. Enfin. Je me dis, mince, je culpabilise après coup parce que je me dis j'aurais dû y aller. Et puis il y a juste une espèce de petite peur quand même, hein, un petit truc qui nous freine. Donc je pense que c'est tout à fait humain en fait d'avoir ce truc là. C'est vrai. Et puis les photos, où est-ce qu'on peut les trouver du coup? Alors tu les retrouves sur ma page Facebook à Nadir Photo. Donc si tu tapes Facebook Nadir Photo, tu vas trouver ça. Et puis voilà, en gros c'est ça. Et puis l'idée, pour l'instant, c'est que là que je les mets sur ma page perso. Donc Nadir Mokhdad, si vous tapez Nadir Mokhdad, vous allez me trouver aussi. Et puis sur la page aussi de Nyon, il y a le groupe Nyonnais, qui est un groupe qui a fermé, mais en fait il se passe toujours plein de choses dessus, comme tu sais. Et voilà, donc du coup là-dessus aussi vous les trouverez. Et, Attention au poteau, Florian, ne vous prenez pas le poteau, à droite, voilà, parfait, on continue. Ouais, c'est en mode direct. Et puis il y a le but aussi de vendre les photos au Paléo. Alors après, l'idée, ce serait de vendre ce concept au Paléo. Je sais qu'il y a déjà plein de photographes qui sont ici sur la plaine de l'As, mais voilà, l'idée, c'est un peu de proposer. Comment ça se passe justement, comment ça se passe avec ces photographes quand tu les rencontres? Est-ce qu'il n'y a pas d'ambiguïté ou de soucis parce que voilà, tu n'es pas professionnel, eux sont pros, est-ce qu'il n'y a pas de soucis par rapport à ça? Bah, en tout cas, j'ai pas eu encore vraiment de rencontre avec un des photographes. J'en connais une. Parce qu'à l'époque, je faisais de la musique et elle m'avait pris en photo aussi. Donc, je sais pas, je suis un peu un enfant de Nyon. Donc, je suis né à Nyon et puis c'est ma ville. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va m'embêter avec ça. Et puis, je le fais, je me pose pas trop de questions en fait. C'est très spontané comme démarche. C'est très spontané, c'est toi. Et puis, encore des questions par rapport aux photos. Des fois, il y a du noir blanc, des fois en couleur. Attention, il y a un poteau là-bas derrière. Du noir blanc ou du couleur, comment elle soit du coup? C'est encore une fois au feeling? Alors, essentiellement quand même du noir et blanc. Parce que je trouve que personnellement, ça dégage quelque chose. En fait, j'ai une phrase que j'ai écrite sur ma page, etc., que j'aime beaucoup. C'est la couleur, en fait, c'est beau, en fait, mais le noir et blanc, ça relate beaucoup plus les émotions en fait, des personnes. C'est pas ça la phrase exacte, je m'en rappelle plus, mais c'est une belle phrase que j'ai trouvée et que j'aimais bien. Et en fait, en gros, c'est ça. Donc la couleur, pour moi, c'est beau. On s'arrête sur plein de petits détails, etc. Et le noir et blanc, pour moi, il fiche plus vraiment un instant d'émotion et du coup on est vachement moins distrait en fait. Voilà, la couleur elle distrait quoi. D'ailleurs t'as des très belles couleurs ce soir. Bah merci Nadir, on va finir sur ces belles paroles. Merci. Sur ces belles paroles entre le noir et le blanc et les couleurs. Ça marche. Allez, bonne soirée à vous, bon paléo. Salut. Casse-toi pas la gueule.